Salut tout le monde. Bah aujourd'hui on est le samedi 30. Alors il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Petite sortie là en compagnie de l'ami Barbac. Bon, on est dans le champ où il y avait les chevaux là, la dernière fois. On était venu avec Bidouille là. On avait fait le champ d'en face là. Et il y avait les chevaux dans ce champ. Donc là les chevaux ont été déplacés. Voilà, bon, ils ont laissé pas mal de cadeaux là, mais bon, on va les éviter. Et puis bon, à peine rentré dans le champ là, premier son, ça se passe ici. C'est une boucle, une belle boucle en bronze là apparemment. Voilà. Allez. Voilà. Je tremble un peu ce matin là, il fait un petit peu frais. Voilà, mais on va voir le soleil apparemment. Bon, il y a quelques nuages, mais on va voir le soleil. Allez, bah on a tout ça à faire là. Allez, à plus tard. Bon, ouais. Bon, j'ai fait un morceau de rivet de harnachement là, un peu plus loin là tout à l'heure. Et puis là, première monnaie dans ce trou. Enfin, monnaie, ce qu'il en reste. Je pense que c'est un reste de DT. Hein. Voilà, il reste plus grand chose, mais bon. Monnaie quand même, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'on est arrivé. Bon, Barbac a fait une jolie petite boucle. Assez ancienne, là, donc... ouais, mise au point. Voilà. Oui, je sais, je parle à mon téléphone. Mais ça marche. Allez, on continue. Voilà. Oui, je disais donc, il est timide le soleil. Encore bien caché. Là. Bon, nouveau trou. Et juste à côté d'un œuf de cheval, là. Ça se passe ici dans la motte. Hein. Je l'ai pas sorti. Un son à 88. Hein. Ouais. Merde, si je cadre, ça ira mieux. Bon, bah c'est rincé. C'est dommage, on voyait un semblant de patine, là, mais bon. Bon, c'est une monnaie quand même, mais c'est rincé. Voilà. Allez. On continue. Regardez-moi ça, comme il fait beau, là, quand le soleil passe à travers les nuages. Barba qui est en train de creuser, là, sur une merdouille encore, sûrement. Et puis, de mon côté, bah, j'ai fait la même boucle que lui. Hein. Oh putain, je vois pas ce que je filme là, j'ai le soleil. Ah, j'adore ces petites boucles là. Je sais pas si on voit quelque chose là, j'ai le soleil en plein dedans. Voilà. Bon ben, sympa. Allez, on continue. Bon les gars, je crois que j'ai appris à viser hein, quand même, hein, parce que là, c'est au moins le quatrième trou, là. Il y a à peine un petit bout de pelle. Et bah à chaque fois, bingo. Bon, bah là, c'est une 2 francs à l'U. Hein. 1943. Bon, on va être superbe, hein, bien sûr. État français. Voilà. Oh, sympa ce petit champ quand même. Sympa, sympa. Allez, bon, on continue. Bon, alors après un aller-retour sans rien là. Un petit trou là. Enfin, un petit trou non, assez profond celui-ci. Le son était pas très clair, mais bon, vu la profondeur, c'est pas étonnant. Et... bah merde, je l'ai posé où, je sais plus. Voilà, bah je l'ai perdu. Alors, non, c'est là. Encore une petite boucle. La même que tout à l'heure. Enfin, la même. Dans le même style. Voilà. Bon, c'est sympa tout ça. Je vois rien. Ah bah oui, c'est mon doigt qui cache le soleil.
Voilà. Allez, je continue. Ouais, bah, je vous reprends tout de suite parce que bah, la boucle était là. Nouveau son ici. Ah, ça se passe là. Ouais, 10 centimes de francs. Mais bon. Bon, c'est très encrassé, j'arrive pas à lire. Ouais, bon, j'arriverai pas à lire la date. Bon, vous lirez sûrement là, avec le zoom. Hein. 77 peut-être. Voilà. Allez, bah, je continue. Je suis à ras de la route là. Voilà. Bon, bah, toujours dans le même coin. La monnaie et la boucle étaient là. Hein. Je continue ma petite descente vers le. Bon, ça fait une petite vallée là. Enfin, un petit. Voilà. Vous me comprenez. Et puis dans ce trou, un joli son là. Bon, c'est format 5 centimes napo, je pense. C'est très encrassé. Ouais, c'est ça, on voit l'aigle. Hein. Si ça veut faire la mise au point. Il n'y a plus trop de lumière là. Voilà. Bon, vous verrez ça au nettoyage. Hein. Je ferai une photo s'il y a de beaux restes. Allez, je continue. Bon, je viens de me rapprocher de Barbac là. Il est en train de faire plein de trous là pour des merdouilles. Et puis je passe juste à côté et je dis tiens, ça serait bien que je te fasse une pièce juste devant le nez. Et puis voilà, bah c'est fait. Dans ce trou, bon c'est pas exceptionnel. Hein. Voilà, tout pour 20 centimes. 1967 je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est marrant. Allez, on continue. Oh, il en fait du bruit lui. Bon, nouveau trou en plein dedans. Hein. Ah, faut avoir envie. Hein. Non. Bon, ça se passe là. C'est une 10 francs gyro. Je vois rien, comme d'hab. Oh là là, je vois rien du tout. Je sais pas comment me mettre. Voilà, 1952. Oula, Barbac vient de faire une monnaie aussi, oulala. Ah, c'est quoi? Bon, il en sait rien. Pouah. Allez, je continue. Bon, bah là, rien d'exceptionnel. C'est une boucle. Voilà. Bon, en fait, c'est pas une monnaie qu'il avait fait Barbac, hein. C'était pour me faire chier, là. C'est un gros rond blanc. Pourtant, ça a l'air d'être de l'argent. C'est un couvercle de montre à gousset, apparemment, en argent. Voilà. Il a voulu me faire baver un peu, mais bon. Allez. On continue. Bon, après un petit moment sans rien, on a fait un aller-retour, là, quasiment avec rien. Des anneaux, des conneries comme ça. Puis là dans un petit trou que ben, je crois bien que j'ai mis un coup de pelle en plus. Je crois que c'est moi hein, qui l'ai plié. Ah ouais. Bon, c'est une Lindauer. En zinc. 10 centimes, 1941 je crois. Voilà. Bon, je l'ai plié. Je suis désolé. Pour elle. Voilà. Allez, ben, on continue un petit peu dans celui-là. Puis on ira peut-être voir un autre là. Allez, à plus. Bon, Barbac vient de faire deux DT là et une fusaïole. Dont un DT qui est vraiment superbe. Puis moi, après quelques merdouilles, là j'en ai chié un peu là quand même. J'arrivais pas à le cibler, et puis bah il y a de la caillasse. Hein. Et puis voilà, j'ai cru apercevoir une rondelle verte.
essai. C'est une Dupuis apparemment. Ouais. Ça va être un 5 centimes Dupuis, je pense. Voilà. On verra mieux au nettoyage. Bon, on est un peu bouffé de ce côté. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Allez, ben on continue. Bon, ben on a bien fait de quadriller ce petit secteur là, parce que bon, ben sur quelques mètres carrés, hein, là, de là à là, là, et puis voilà. Ben encore un son. Ben, ça se passe là. Je vais pas regarder encore. Hein. Je sais pas ce que c'est, je vois rien. Oh là là, la patine se casse la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, oh, sûrement un appôt, un truc comme ça. Mais oh, la patine s'en va. Ouais, je pense à un appôt. Mais assez rincé quand même. Voilà, bon, on verra mieux au nettoyage. Allez, bon, on continue encore un peu. Hein. Alors, dans ce trou, se trouvait ça. Alors, je le filme parce qu'il est pas vilain. Petit plan de sac. J'en ai trouvé d'autres, mais tout à fait classiques. Mais bon, voilà. Je ferai peut-être une photo de celui-là. Il n'a pas l'air mal. Un beau gabarit en plus. Voilà, bon, de toute façon, on retourne vers la voiture là. Il est midi. Allez, ben, je vous dis à plus tard. Bon, ben, on fait le bilan. Voilà. Il y a du vent là maintenant, hein. On a bien fait de rentrer. Donc, les trouvailles pour Barbac. À son couvercle. Ah oui, j'ai pas de lumière. C'est un couvercle de montre à gousset, ça. Apparemment en argent. Voilà. Bah ouais, de loin, il m'a fait croire que c'était une pièce. Mais bon. Voilà. Petite boucle. Ah, j'en ai fait deux comme ça. Sympa ces petites boucles. Alors ça, c'est un petit bouton grelot, je crois. Ouais. Il y a deux trous dessous, là. Voilà, tu fais la mise au point. Allô. Ah, faut que je prenne autrement. Excusez-moi. Voilà. Petit bouton grelot. Il y a cinq monnaies, dont un DT qui est, ma foi, pas vilain. Je pense qu'il y aura des restes, hein. De jolis restes. Ah, ça c'est quoi? Bon, c'est une Savo. Ouais, c'est dommage parce que le format là, c'est je sais pas, format un peu spécial. Bon, DT, ça. Excusez-moi, je sais pas. Enfin, c'est Savo quoi. Là aussi. Petite fusaïole bien sympa là, toute petite fusaïole. Ah, j'aime bien les petites, j'en ai fait qu'une toute petite. Voilà, dans les racines. Hein. Bon, et puis quelques merdouilles, hein, comme d'hab. Voilà, de mon côté, bon, il y a quelques monnaies. Bon, ça. Oh, c'est bien bouffé, hein. Ça doit être du napo, mais c'est bien pourri. Je sais pas, on verra au nettoyage. Ah non, ça c'est une Revo. Ouais, c'est une Revo, c'est une 5 centimes Revo. Bon, il y a, bon, vous verrez, de hein, toute façon, 20 centimes. Voilà. Donc vous verrez ça nettoyé. Hein. Ah, deux morceaux de rivets de harnachement, je pense. Voilà.
le joli plan de sac, les boucles, bon, les anneaux en bronze, morceaux de cuillère, un morceau de grelot aussi que j'ai fait, que j'ai pas filmé, bon, deux, trois petites babioles. Voilà, et ben, on va se rentrer. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!